la 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 la. Et bonjour tout le monde, c'est Jazz de 1234 et on est dans la chronique numéro 3. Et oui, aujourd'hui nous sommes dans Euro Truck Simulator 2. Encore une fois, toujours sur la session Le Routier Français, bien sûr, que j'aille au garage. Alors aujourd'hui, ce sera je vais essayer de faire une vidéo à peu près spéciale. Parce que je vais faire un très très long trajet. Un très très long trajet, mais pas très très long. Juste un petit très long trajet, genre un truc comme ça quoi, tu vois. What's up, baby? What's up, baby? Let me down. Girl, I'm gonna show you how to do it. On va faire. Ah oui, carte. Oh, alors, on va essayer d'aller à. On va essayer de soit aller à Lille, ou alors essayer d'aller en Grande-Bretagne, ou quelque part en Allemagne, en Pologne, un peu partout, quoi. On va plus rester en France pour l'instant. Soit je vais aller peut-être à Lyon. On va essayer de voir si j'ai un train jusqu'à Lyon. Ah bah tiens. Non. Luxembourg, Calais. Reims-Calais. On fait Reims-Calais et après on voit s'il y a quelque chose. Allez. On fait Reims-Calais, voilà. Alors. Ça. Baby whistle, baby let me down. Hop là. Alors désolé hein, ce sera pas pour aujourd'hui dans la chronique la vraie chronique. Là c'est la chronique du routier français. Ce sera pas aujourd'hui où on va conduire comme tout le monde. Aujourd'hui on va faire deux livraisons. Bon, ça va être un peu long, mais en espérant que ça va essayer de passer un peu plus vite que prévu. C'est lequel non, c'est ça là. J'essaie de la faire à la routière. Allez, on essaie de la faire à la routière, tiens. Hop, on va faire ça. Allez, avance. Voilà. Ah oui, j'avais dit que je devais aller aussi au... Hop. Voilà. Allez. Ouais, parfait. Hop. Bingo. Allez, on go. Alors aujourd'hui, on va directement à Calais. On prend du surgelé. Comme ça, au moins, on est sûr de savoir que dalle sur la livraison. Aïe, c'était mal. Ça, au moins, on est sûr de savoir que dalle sur la livraison. Sûr et certain, c'est juste du surgelé. Après, vous démerdez, quoi. Oh. Oh là là, j'ai un bug. Conditions sur maf.fr oh, j'ai et eu dans un les bug. Agences maf. Oh, c'est pas bien, ça. Skyrock présente Urban. Oh. Piste 3. Le plus de radio. Je sais ce que c'est de radio. Samedi 28 septembre. Je vais me mettre à la radio, c'est quoi ce truc. Plus de 4 heures et demie de live en direct. Oh, j'ai un problème radio. Avec pour la première fois. Alors, comme j'ai un problème de radio, on va mettre ma musique à moi. Hein. Voilà. Non, pas celle-là. Celle-là. Now greetings to the world. Voice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Let's go now. Oh oui. Ours. Yeah, Skrillex. Et devant, sur les secondes, sur les secondes.
Alors là, moi je suis sûr de pas avoir des bugs de chansons. Je devais aller au machin, au garage. Ben j'irai à Cali au garage. Hop là, on va s'arrêter. Il y a des voitures. Bon, on va avancer, on verra bien. J'adore ces chansons là. Alors aujourd'hui, une fois qu'on sera arrivé à Calais, on va prendre une autre livraison qui fera une livraison chez les Anglais. S'il y a chez les Anglais, sinon on ira voir en espérant qu'il y en a chez les Anglais. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai marre de la France. J'en ai ras le bol. Alors j'ai envie d'aller en Angleterre. Pour ce jour, ça va changer un peu des habitudes de rester en France ou machin et tout. Alors on va en Angleterre. Alors je dois aller à Calais. Après il faut passer par là pour aller à Calais. Carte. Pour passer par là. Ok, ça évite de payer plusieurs fois le péage, ok. Là je paye qu'une fois. Alors que là j'aurais payé une fois. J'aurais payé deux fois le péage. Allez quoi. Ouais, en plus ouais c'est plus court là-bas. Ok. Prochaine fois on essaiera de faire son GPS. La fin. Je descends vite là, non? Voilà, alors. Péage à 1000 mètres. Okay. Ouais, alors j'ai pas trop d'histoire à vous raconter parce que c'est une vidéo que j'ai fait à la suite en fait de la seconde. Et là on est à la troisième. Donc j'ai pas d'histoire ni rien. La première c'était un invité spécial qu'on est passé. Ah non, la deuxième c'était un invité spécial. La première c'était je sais plus quoi. Ah non, on est à la deuxième là. Non, on est à la troisième. Ah voilà. La première c'était un invité spécial. La deuxième c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec le code de la route. Et là, aïe, à toi, enfin. Voilà. Et là, la troisième, ça va être... partons chez les Anglais. Alors, je sais pas si vous savez, en Angleterre, on roule du côté gauche. Donc, si on veut doubler, on double à droite. Donc, c'est tout le contraire de la France, quoi. Parce qu'en France... En France, on roule à droite et on double du côté gauche. Et en Angleterre, on roule à gauche pour redoubler à droite. J'ai toujours pas Droidan avec moi. Je n'ai toujours pas connecté. Il aurait été connecté, je l'aurais appelé, on aurait fait une vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Cette vidéo sans lui, hein, tant pis. Hein. Alors, j'ai eu un commentaire sur par rapport à une vidéo. Comme quoi sur Droidan sur FIFA partie 2. Alors j'ai eu un commentaire de X Fatality HD. Et je suis complètement désolé parce que c'est Droidan qui a fait la vidéo. Je suis vraiment désolé par rapport au bruit du sifflement derrière. C'est vrai que rien qu'à peine, même pas les 2-3 secondes que j'ai regardé la vidéo, ça m'a tué.
et je suis vraiment désolé, je le ferai passer le message qui sera connecté sur sur Skype et donc voilà, je suis vraiment encore désolé hein, je sais pas qu'est-ce que c'est simplement parce que moi j'étais pas là quand lui il a fait ouais, donc il était tout seul sur FIFA. Il a fait deux vidéos sur FIFA en deux parties. Une seule partie sur FIFA, mais en deux parties de coupées en fait. Et il a continué juste après quoi. Mais bon, comment vous dire. Voilà quoi, je suis désolé X-Fatality HD. Hein. J'espère que ça va pas se reproduire. Bon, en tout cas, ben moi ça me... Maintenant que j'ai frappe, ça se reproduit pas. On n'aura plus les bandes noires non plus, à part lui peut-être qu'il en aura encore un peu parce que par rapport à sa caméra. Voilà quoi. Voilà, je suis désolé, franchement désolé. Ça te reproduira plus. Sinon après les dédicaces, ben, j'en ai toujours pas eu donc ben, c'est normal parce que je les fais juste à la suite. La prochaine fois on fera une chronique du routier français à la façon Jazz de Santa donc comme je fais la normale. Ah, un péage. Et voilà quoi, après je vous parlerai un peu des camions aussi, si vous préférez les camions, lequel des camions vous préférez, si vous pouvez me le dire dans les commentaires ou en message privé sur YouTube. Ça, voilà. Allez go. Et oui, si vous vous rappelez bien, c'est les musiques de départ des vidéos sur FIFA et tout. C'est celle-là de chanson qu'on a mis, Skrillex Cinéma. Et parce que pour l'instant, on pouvait pas faire l'intro. Mais maintenant que je l'ai, ben, il y aura plus de chansons comme ça dès le début. You Alors j'espère que vous m'entendez bien. Hein. Si je dois baisser un peu la musique, je baisse peut-être un peu la musique que je baisse un peu. Voilà. Là je suis sûr comme ça au moins vous m'entendez. Ah j'adore cette musique. C'est Mister Droidan 28 qui m'a... Ah, je viens de remarquer un truc. Quand je roule sur les bandes blanches, ça fait un bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Regardez. Attendez, ah, ça fait trop tard. C'est quand on s'endort pas en fait au volant. C'est trop bien ça, c'est cool. Moi j'avais jamais vu ça. Je crois pas que dans la 1.4.8 il était ce truc. Aïe. J'essaie de pas faire un accident, de pas trop freiner brusque aussi. Ça endommage les roues. Année avec une semi Euro Goodies. Toujours avec un Iveco Stralis Highway. Matriculé en CV910 BP de Lyon ou de... Non, de Metz. Je m'en manque encore moi. Matriculé de Metz. Oh, il me double. Oh, il me double. Tu veux de l'aide peut-être pour doubler? Enfoiré. Devant les lignes blanches en plus.
Il y aurait eu une voiture en face, tu aurais mouru. Voilà. Moi, j'ai remarqué que dans le jeu, en fait, quand il y a des voitures qui doublent et qu'il y en a une en face, ils s'arrêtent. Ils ralentissent. Et les autres en face, ils ralentissent aussi. Moi, je sais pas, moi, il y a une voiture en face de moi, je peux pas m'arrêter avec le camion. Je peux pas m'arrêter avec le camion, je suis obligé de le pencher dedans ou éviter de me retourner. Mais voilà, je peux pas m'arrêter. J'arrive pas à m'arrêter. C'est bizarre, hein. Bon. Allez, Lille, on part sur Calais. Excusez-moi. Je suis pas bien en ce moment, c'est pas vrai, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Wow, vous avez vu? Je vais me retourner, quoi. J'essaie de respecter le code de la route le plus possible, hein. Ah, des travaux. Mais des warnings. Pour dire qu'il y a un ralentissement. Oh, ça c'est travaux, hein, putain. Heureux goodies. La remorque est matriculée en BP804 ST. Oui. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Hop, la feu rouge. Alors, si vous voyez bien, derrière, il y a un Renault Magnum. Alors, je raconte un peu ma vie, hein. J'aime bien les Renault Magnum. Les meilleurs que je trouve, c'est Scania. Les seconds, Renault Magnum. Ouais, j'ai fait un genre de classement, en fait. Les seconds, c'est Renault Magnum. Les troisièmes, c'est Iveco. Le quatrième, c'est quoi déjà le quatrième? Ah oui, Renault Premium. Cinquième, c'est Mercedes, je crois. Ouais, voilà, des camions à peu près qu'on voit en France à peu près. Je sais qu'on voit aussi des camions américains. Ah, ça c'est le meilleur des camions américains. Les Kenworth et les Peterbilt, ça c'est parfait. C'est parfait ces jeux de trucs. Alors je sais pas si on va faire machin, si on va faire jusqu'à Calais. Et je coupe pour faire juste après une nouvelle chronique direction l'Angleterre. Ou je fais de suite si je le fais de suite. Aïe. Si je le fais de suite, je sais pas si je vais le faire de suite. Je trouve que c'est un peu long déjà quand même. Déjà que c'est long pour poster les vidéos sur YouTube, alors si j'en fais des trop longues non plus. De toute façon, j'ai qu'un jeu pour faire des vidéos, alors j'ai que celui-là, peut-être que j'ai RCT3. Pourquoi RTC à chaque fois? RCT3. J'ai Scania Truck Driving, je crois. Ah,
me semble qu'on arrive au niveau du rond-point. Alors si on arrive au niveau du rond-point, je vais vous expliquer comment faire pour passer le rond-point. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer le rond-point. Il y a des gens au niveau du rond-point, ils ne savent pas passer. Ils ne savent pas comment faire. Alors vous faites ça. Vous mettez sur la voie de gauche. Vous mettez sur la voie de gauche. Parce que de toute façon, on doit aller à gauche là-bas, au troisième sortie. Donc vous mettez sur la voie de gauche. Ça aurait été sur la voie de. Ça aurait été en face sur la voie de droite. Voilà. Vous mettez clignotant, hop. Là vous clignotez là-bas. Du côté gauche, pour aller à gauche. Alors les voitures s'arrêtent. Voilà. Et maintenant, comme c'est deux voies, vous pouvez aller à droite. Si ça aurait été qu'une seule voie, je sais même pas si je l'ai bien pris en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prend les ronds-points. Excusez-moi, je crois que c'est pas comme ça qu'on prend les ronds-points. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on prend les ronds-points. C'est bien ça, ça freine bien ça. Aïe. Je crois que j'ai touché. Et ouais, j'ai touché, putain. Il est passé au rouge. Il est passé au rouge. Hop là, on a coupé les fleurs. Alors, on va à Stock. Alors, c'est là-bas, Stock. Je commence à connaître par cœur un peu le jeu à force, hein. Ça fait 6 mois que je l'ai le jeu, ça fait 2-3 jours que je commence les vidéos. Ça fait peut-être temps quoi. Allez. Alors ici c'est petit. Alors ça va être chaud pour tourner. Allez vas-y mon gros. Allez vas-y. Allez. Voilà, hop là. Allez, à la routière. Bonne bonne manquer de pêche. Oh, je me suis garé comme une merde. Essayez de se garer bien. De sens à chaque fois. Voilà. On va mettre les plus droits. Voilà. Bingo. Excusez-moi, j'étais en train de me rappeler un truc. Non, parce que j'ai travaillé chez un transporteur en fait. Et j'étais bloqué d'un coup là, ça m'a fait bizarre. Bon alors. Eh ben, je vais vous laisser sur celui-là et je vous reprends 2 minutes après pour la chronique numéro 4 en route pour Londres. Allez bisous, ciao ciao.